Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite routine cuisse abdos fessiers que vous pourrez faire ensuite 2 à 3 fois par semaine sans aucun problème. C'est une séance qui dure entre 15, 20 et 25 minutes selon la vitesse à laquelle vous allez pour faire le nombre de répétitions. N'hésitez pas à aller à votre vitesse, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Et n'hésitez pas à prendre du temps de récupération si vous en avez besoin au fur et à mesure de cette séance. On est parti ensemble pour le premier exercice et on enchaîne jusqu'à la fin. Allez, on démarre ensemble, on est parti sur la première position de squat. Je vous fais le profil pour commencer. Je vous explique au fur et à mesure les exercices, comme ça on limite la récupération si vous avez besoin. Vidéo sur pause, il n'y a pas de problème. Les talons puissent être posés au sol ici par bon, les genoux qui ne vont pas partir trop vers l'avant ni vers l'intérieur. On essaye de garder toujours le dos droit au niveau des mains, soit en prière, soit vers l'avant. Et on descend tranquillement, sans forcer, puis on remonte. On est parti pour 25 répétitions. Allez, 2. 3, on inspire quand on descend et on expire quand on remonte. 5, super. 6, allez, on est parti. 7, 8, 9, très bien. 10, donc n'hésitez pas pour cette séance à préparer une petite bouteille d'eau, une serviette si vous avez besoin. Hein. Vous nous rejoignez juste après. Vous avez juste besoin d'un tapis, d'un petit peu de place autour de vous, c'est parfait, ça suffit. Allez, 13, 14, 15, on va réveiller déjà un petit peu les cuisses et les fessiers. Parfait. 18, 19. Allez, on essaie de garder le dos bien droit. Pensez à souffler sur cet exercice, sur ce premier exercice. 23, 24 et 25. On enchaîne avec des mini squats. On reste en bas et on fait juste des petites oscillations sans jamais remonter. Allez, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. On fait bien attention au niveau des genoux. Et on n'oublie pas de souffler, souffler, souffler. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Allez, encore un peu. 19, 20. Super. 1, 2, 3, 4 et 25. On remonte tranquillement. On se détend déjà un petit peu les cuisses. Parfait. Un squat classique plus un mini squat. Je descends complètement une mini oscillation et je remonte. Je descends complètement une mini oscillation et je remonte. On est parti. Allez. Je redescends un peu et je remonte. Je descends, je remonte un peu, je redescends un peu et je remonte complètement. Super. 2. 3. 5. 1. 6. 7, très très bien. 8, on va pas trop vite. On est à 10, allez. Puis 45 aussi. Super, 12, allez, encore un peu. Pensez à souffler. Pensez à garder votre dos droit, équilibré avec vos mains. Soit en prière comme moi, soit vers l'avant, soit sur les hanches. C'est vous qui choisissez. Le but c'est que vous soyez le plus confortable possible. On est à 16, allez. Encore un peu, un squat classique, plus un mini squat juste en bas. 18. Très bien, 19. Allez. 20 pour terminer, les 5 dernières. 21. 2, super. 3, très bien, encore 2. 4, et la dernière. Et 5, super. Squat, cette fois je descends, j'envoie ma jambe en arrière, je ramène et je remonte. Je redescends, j'envoie ma jambe en arrière, je ramène et je remonte. On est parti pour 30. Allez, jambe droite, je ramène, je remonte. Je descends, jambe gauche, je ramène et je remonte. On est parti. 3. Très bien, 4. Allez, on alterne un coup à droite et un coup à gauche. Super, 6. 7. 8. Allez, restez bien en bas quand vous envoyez votre jambe en arrière. Hein. 10. Allez. 13. Allez, 15. Concentrez-vous hein, vraiment sur le mouvement. Essayez d'avoir une bonne respiration.
Voilà, j'inspire, je garde, je le ramène et j'expire en montant. Super. Allez, 19. Très bien. Les 10 dernières. Allez, gardez votre dos droit, pas de douleur dans le dos. Sinon, descendez un petit peu moins avec vos genoux, de manière à vraiment garder le dos droit. Ne pas se retrouver avec le dos arrondi. Et je regarde vers le sol. On doit vraiment regarder en face, avec le dos vraiment le plus droit possible. Allez, 27, on arrive au bout. Allez, encore un peu, 28. Super, les deux dernières. Super, la dernière. Et 29. Et on remonte. Très très bien. Position de fente maintenant. Alors, n'hésitez pas à récupérer un petit peu durant cette transition. Une jambe en avant, une jambe en arrière. On commence avec notre jambe gauche en avant. Notre pied droit ici en arrière. Je ramène le genou et je remonte. C'est parti. Allez. Une. Deux. Pareil que sur les squats en termes de respiration, au niveau de la position des mains, soit en prière comme pour les squats, soit vers l'avant, au niveau des hanches, le long du corps, comme vous voulez. 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13, très très bien, 14, et 15, je relâche, pareil dans l'autre sens, c'est parti, pied droit cette fois en avant, pied gauche en arrière, et on y va, allez, 1, 2, 3, 4, 5. Gardez votre dos bien droit. Engagez légèrement votre ceinture abdominale, vos fessiers. Et poussez avec votre talon avant pour remonter. 9, 10, 11, 12, 13. Allez, encore un peu. 14, super. Et 15. On relâche. On se détend un petit peu tout ça. On part de l'autre côté. Des mini fentes cette fois. Alors, je descends un coup vers le bas et je fais juste des petites oscillations ici. On est parti pour 15 également. Allez, on y va. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, gardez le dos bien droit. Soufflez, soufflez, soufflez. 13, 14 et 15, on remonte. Très, très bien. Pareil de l'autre côté. Pied droit en avant, pied gauche en arrière. Et on y va, 15 aussi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On remonte tranquille. Super. Vous êtes un petit peu les jambes. N'hésitez pas à boire si vous avez besoin. N'hésitez pas à vous essuyer si vous avez besoin également. Et on enchaîne. On revient sur les fentes. Pied gauche en avant, pied droit en arrière. Une fente complète plus une mini fente. Je vous montre. Dans cette position, une fente, une petite et je remonte. Je descends et je remonte. On est parti pour 15 de la même manière. Allez, je descends, je remonte un peu, je redescends un peu, je remonte complètement. Voilà. Une mini fente intégrée dans une fente complète. Allez, 4. 5, super. 6, allez, commencez à souffler. Hein. Essayez de se crisper le moins possible. Plus vous êtes relâché, plus c'est facile ce genre d'exercice. 9, allez, encore un peu. 10, super. 12, 15. On relâche tout ça. On peut marcher un petit peu. Justement, ça brûle un peu au niveau des cuisses. C'est complètement normal. Pareil de l'autre côté. Jambe droite en avant cette fois, jambe gauche en arrière. Et on est parti également sur une grande fente avec une petite fente intégrée dedans. On y va. Allez, 15 aussi. Hein. Super, 3. Allez, 5. 8. Allez, soufflez, soufflez, soufflez. Gardez le contrôle du mouvement. Super. Allez, 11. Jusqu'au bout. Ça va bien. 12, on protège son genou. Hein. Allez, 13. On essaie de ne pas s'appuyer dessus. Dernier. Et 15, on lâche tout ça. Allez, ça roule un peu, je sais.
on se détend un petit peu les cuisses, on n'hésite pas à boire et on enchaîne avec cette fois la partie plutôt fessier. Ça c'était la partie cuisse, on passe sur la partie fessier, les pas latéraux cette fois. Donc dans cette position, largeur de squat au niveau des pieds, talon toujours collé au sol, je descends en demi-squat et je décale sur le côté. Quand je ramène mon deuxième pied, je fais attention à toujours garder cette largeur de hanche au niveau des talons. Et je repars tranquillement de l'autre côté. Voilà. Vous pouvez faire 3, 4 places sur les côtés. Si vous n'avez la place d'en faire qu'un ou deux, il n'y a pas de souci. Faites-en un ou deux. L'objectif, c'est d'aller sur cet exercice jusqu'à 30. Donc soufflez, soufflez, soufflez. Super. Allez. Très bien. Encore un peu. 24 pour moi, dernier aller-retour. Si vous êtes en avance ou en retard, pas de problème. Basez-vous sur 30 répétitions et allez à votre vitesse. Super, on relâche tous. Je vous attends si vous avez besoin d'encore un peu plus de temps pour terminer cette petite partie. On va se faire ça une deuxième fois, d'accord? N'hésitez pas à marcher pour détendre vos cuisses et vos fessiers. Position demi-squat, on descend un peu plus bas sur cette deuxième. Et c'est parti. Allez, 2, 3. Voilà, on va pas trop vite. Essayez de ne pas aller plus vite que moi. Si vous allez plus doucement, pas de souci. Par contre, on essaie de surtout pas aller trop vite sur ce genre d'exercice, puisque les muscles travaillent sur la durée de travail. Si évidemment on prend très peu de temps pour faire cet exo, les muscles n'ont pas le temps de vraiment travailler. Arrête. Super. On est à 18. Deux allers-retours pour moi, parce que je suis sur 3 pas. Si vous êtes sur 4, vous en avez un peu moins. Super. Allez, dernier aller-retour pour ceux qui sont sur 3 pas. Et on relâche. Très bien. On détend tout ça. On n'hésite pas à boire un petit peu. Et on part ensemble. Ok, position de 4 pattes. On descend un petit peu au niveau du souffle. On fait bien attention à garder son dos droit sur cet exercice. On commence avec notre jambe droite qu'on va lever, décoller du sol et envoyer pour la tendre vers l'arrière. Je ramène, j'envoie, je ramène. 3, 4, 5, très bien, on est parti pour 15, 6, allez, 7. N'essayez pas de me rattraper si je suis parti trop rapidement. Allez, à votre vitesse, objectif 15 répétitions, vous me rattrapez sur les phases de récup. Allez, 12, très très bien, 13, 14, on garde le dos bien droit. Et 15, on relâche. Pareil de l'autre côté, 15 reps à gauche. Allez. 2. 3, super. 4. 5, 15 répétitions à gauche. 6. 7. Allez, à votre vitesse. Protégez votre dos. Faites attention à vos articulations. Vous pouvez vous mettre sur les avant-bras sur ce mouvement. Il n'y a pas de souci. Hein. On protège toujours son dos et ses articulations, notamment les poignets. 14, une dernière, et 15, on relâche tout ça, super. La même chose cette fois avec le pied qui part vers le haut, et on ramène, vers le haut, et on ramène. Allez, 3, 4, 5, super, 15 aussi, 7, 8, allez, on garde le contrôle du mouvement, 10, 11, très très bien. 12, super. 13, 14 et 15, on relâche. Pareil à gauche. Allez, vers le haut. Ça, c'est ce qu'on appelle les donkey kicks. Vous avez déjà dû en entendre parler dans des sessions, que ce soit dans les miennes ou pas. Hein. Donkey kicks, c'est assez connu pour travailler les fessiers. Allez, 8, 9, et à chaque fois, on ramène le genou au niveau de l'autre genou qui est au sol, sans poser hein, le genou gauche par terre. On garde vraiment en équilibre. On a un travail de gainage ici sur 3 appuis. 14, la dernière. Et 15, très bien. On combine cette fois les deux. Une répétition en arrière, je ramène. Une répétition vers le haut, je ramène. 15 au total. C'est parti. Allez. 1. Très bien. 2. Donc 15 répétitions en arrière,
Et en haut, 1. Allez, 4. 5. Voilà, ça nous fait 30 répétitions au total. 15 répétitions de chaque. Allez, 7. 8. Très, très bien. Allez, 9. Voilà, gardez le dos droit, le regard entre les mains. Pensez à souffler. 11. Allez, 12. 13, super. 14, la dernière. En arrière et la dernière en haut. Et on relâche. 15, pareil de l'autre côté. Allez, en arrière à gauche et en haut à gauche. 1. Super. Allez, 2. N'allez pas trop vite sur ces exercices. 3. 4. Très bien. 5. Allez, jusqu'à 15 également. De chaque. 7. Allez, on arrive à la moitié. 8. Très, très bien. Allez, gardez le contrôle du mouvement. Pensez à souffler. On a 10. Encore 5. 12. 14. La dernière. La dernière en haut. Et 15. On relâche tout ça. Super. On remonte tout doucement. Et cette fois, on part sur des élévations latérales. Alors, je me mets face à vous pour commencer. On vient tout simplement se mettre ici sur la hanche avec la main gauche qui vient se poser au niveau de la poitrine, la tête sur la main ou sur le bras, vous avez le choix. L'objectif, c'est de rester bien équilibré et vous allez lever votre jambe gauche vers le haut. On redescend tranquillement. Donc, abduction de hanche égale travail du moyen fessier et on contrôle sur la descente, notamment avec les adducteurs. 3, on est parti pour 15 également de chaque côté. 4, 5, les deux jambes sont tendues et les deux pieds sont flex, c'est-à-dire les points de pied sont ramenés vers vous. Allez, 8. Voilà, on va pas trop vite sur la descente. 9, 10, très bien. 11, 12, 14, et on relâche. 15, super. On se tourne, pareil cette fois avec notre jambe droite. Donc je reste face à vous, la tête sur la main, deux pieds flex, jambes tendues, je lève ma jambe droite vers le haut et je ramène. On n'oublie pas de s'équilibrer avec la main droite qui vient se poser au niveau de la poitrine. Hein. Ça nous permet de ne pas trop partir en arrière. Allez, 4. On s'améliore, ça fait 5. Et on contrôle quand on ramène la jambe. Super. Allez, 7. 8. 9. Très, très bien. 10. Allez, 11. 13. Super. 14. Et dernière. 15, on relâche. Super. On se tourne. Exactement le même exercice. Cette fois, on va tout simplement ramener notre jambe droite fléchie à 90 degrés tout en tendant notre jambe gauche et on fait exactement le même mouvement. Allez, 1, 2, jusqu'à 15 aussi. 3, 4, voilà, on va pas trop vite quand on ramène. 6, allez, 7, 8, être et reste bien équilibré sur la tranche du bassin. 9 et 10 jusqu'à 15. Super, on n'ouvre pas trop les hanches. Les hanches sont face à moi et on relâche. 15. Pareil de l'autre côté pour terminer. On se tourne. Allez, 15 aussi. On ramène ici notre genou et c'est parti. 1, 2. Allez, 3. Pensez à sourire, ça passe mieux. Vous allez voir. 5, 6, 7. Après cet exercice, n'hésitez pas à boire un petit peu. On reste au sol et on enchaîne avec les mountain climbers cette fois pour passer sur la dernière partie de ceinture abdominale. 10. Allez, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. 12. Encore un peu. 13. 14. Et la dernière. Et 15, on relâche. Ok, pour détendre un petit peu vos cuisses et vos fessiers. Vous pouvez ramener vos genoux vers vous, en mettant tout
tout ça, pas de soucis. Prenez votre temps. Allez, mountain climbers, alors si vous avez besoin de voir un petit peu, de respirer, de récupérer, n'hésitez pas, mettez la vidéo sur pause, hein, vous avez l'habitude. Sinon, on enchaîne avec une mountain climbers, les deux mains posées au sol, on passe sur les pointes de pied. Vous pouvez également le faire sur les avant-bras si vous avez des problèmes au niveau des articulations et notamment des poignets. Pas de soucis. Et on est parti sur des mountain climbers classiques pour l'instant pour 30 répétitions. Je remonte le mouvement, j'inspire, j'expire et je ramène mon genou au niveau du buste. Je repars, j'inspire, j'expire. On est parti, 30. Allez. Voilà, on va pas trop vite. Allez, 6. Et chaque fois que vous ramenez votre genou vers votre buste, vous expirez. 10. On engage légèrement les fessiers pour protéger son dos. On engage évidemment les abdos. 18. Allez, 1. On relâche tout ça tranquillement. Super. On détend un peu le poignet. On va refaire ça une deuxième fois, cette fois en croisé. Alors, au lieu de ramener votre genou vers votre buste, vous faites exactement pareil, mais vous l'envoyez également un petit peu sur le côté opposé. Je vous montre, dans cette position, au lieu de juste faire ça, vous venez rapprocher votre genou vers votre coude opposé. Et on revient. Pareil de l'autre côté, et on revient. On a un petit twist au niveau des hanches. 30 répétitions également, vous êtes prêts? Allez, on est parti. Sur les pointes de pied, on expire quand on ramène le genou. Allez, 15. Soufflez, soufflez, soufflez. Souriez, ça passe mieux encore une fois. Allez, on est à 20, il nous reste 10. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Super. Allez, 4, 5, 6. Le regard entre les mains. Hein. Ne regardez pas votre nombril. 8, 9 et 30. On relâche. On pose les genoux au sol tranquillement. Pareil, on étend les bras et les poignets. Super. On se tourne et on repasse sur le dos. Allez, dans cette position. On va partir sur un mouvement assez simple, les pieds posés au sol, largeur de hanche, le dos, les épaules et la tête posées au sol, les bras vers le haut. On inspire, on expire, on rentre le ventre le plus possible, on plaque le dos au sol et on lève légèrement le buste et la tête vers le haut. Et je redescends tranquillement. Voilà, tout simplement. On est parti pour 15. Allez, vous êtes prêts? Voilà, pensez à souffler et à surtout contracter votre ceinture abdominale. Ne laissez pas subir, entre guillemets, ce mouvement. Ne subissez pas ce mouvement, contrôlez-le avec vos abdos. Hein. Allez, 10, 11, 15, on relâche. Très bien, on récupère un petit peu, on va faire ça une deuxième fois. On est parti, bras vers le haut, j'inspire, j'expire, je rentre le ventre, je plaque les abdos et je monte. Allez, 7, 8, super, 9. Et 15, on relâche tout ça. Super. Respirez un petit peu. N'hésitez pas à boire encore un peu si vous avez besoin, évidemment. On enchaîne au sit-up. Cette fois, on reste au sol encore une fois. 10 répétitions sur cet exercice. Les bras vers l'arrière. C'est le même principe,
Sauf que cette fois, vous allez vous basculer vers l'avant, ouvrir légèrement vos hanches pour finir le mouvement avec votre dos droit et les bras vers le haut. Et on déroule doucement le dos pour poser vertèbre après vertèbre, puis la tête. J'inspire, j'expire, je monte, j'ouvre légèrement les hanches, je termine avec le dos droit et les bras vers le haut. Et j'inspire tranquillement en déroulant le dos et en posant vertèbre par vertèbre. 10 répétitions, c'est parti, vous êtes avec moi. Voilà, expiration quand vous montez, inspiration quand vous descendez. 2, super. 3, allez, très très bien. Gardez le contrôle du mouvement. Si vous n'arrivez pas à terminer complètement le mouvement, ce n'est pas très grave, mais en tout cas, protégez votre dos et rentrez votre ventre. Essayez vraiment de contrôler le mouvement avec votre ceinture abdominale. Ne subissez jamais un exercice. Super, et choisissez vos évolutions. Si vous n'allez pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Vous y arriverez demain ou après-demain. Allez, 7. 8. Le but d'une routine, c'est au fur et à mesure de s'améliorer et de passer sur les évolutions un petit peu supérieures. 9. Et 10. On relâche tout ça tranquillement. Superbe. Génial. Très très bien. Allez, on termine cette fois sur des positions de planche. Alors, dans cette position, on va tout simplement partir sur une planche classique pour commencer. Donc, les avant-bras posé au sol, les pointes de pied ou les genoux, comme vous voulez, vous avez l'équivalence entre les deux exercices. Et l'objectif, c'est de basculer légèrement son bassin, c'est ce qu'on appelle une planche twist. Pareil si on est sur les pointes de pied. On est parti là-dessus pour 30 secondes. Vous êtes prêts avec moi? Allez, 3, 2, 1, on y va. On bascule tranquillement son bassin à droite et à gauche. 30 secondes. L'objectif, ce n'est pas d'aller vite, parce que si vous allez vite ou si vous allez doucement, vous ferez exactement le même temps. Donc contrôlez la position, protégez votre dos, engagez votre ceinture abdominale et vos fessiers et essayez de vous détendre le plus possible. N'essayez pas de crisper au niveau des bras et des avant-bras par exemple en croisant vos doigts. Non, laissez vos doigts tranquilles. 3, 2, 1 et on relâche. On pose les genoux tranquillement. Exactement la même chose cette fois, sauf qu'on va partir complètement sur le côté. Donc je suis dans l'axe. Je pose mon bras, je monte et j'ouvre. Je reviens, pareil de l'autre côté. Je pose mon bras et j'ouvre. D'accord? On est vraiment sur des gros twists. C'est ce qu'on appelle une planche en T. On est parti dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, je pose et j'ouvre. Je ramène et je reviens. Je pose, j'ouvre, je ramène et je reviens. Allez, soufflez, 30 secondes, pareil. Vous pouvez le faire sur les genoux également. Si vous êtes sur les genoux, quand j'ouvre, vous levez légèrement votre jambe qui est à l'opposé du mouvement. Voilà, tout simplement. Allez, encore un petit peu, soufflez bien. Super. 3, 2, 1, et on termine là-dessus. Très, très bien. Un dernier exercice qui mêle renforcement et stretching, le Superman. Alors, le Superman, dans cette position, face au sol, l'objectif, c'est de s'agrandir vers l'avant avec les bras et les mains, vers l'arrière avec les jambes et les pieds, et de monter sur une inspiration. On garde la position 1 à 2 secondes, et on expire quand on redescend. On fait ça 12 fois, et on est bon pour aujourd'hui. Allez, 1. 2. Le regard est vers le sol. Hein. À l'avant du tapis. Pas de tension dans les cervicales. Et l'objectif n'est pas de pincer les lombaires, juste de s'agrandir vers l'avant et vers l'arrière. Allez, 6. Encore un peu. 7 jusqu'à 12. 8. Très bien. 11. Et 12, on relâche. Super. Les mains au niveau de la poitrine. Position de l'enfant, je viens m'asseoir ici sur mes talons. Tranquillement, avec le front posé au sol. Et je déroule doucement le dos pour revenir dans une position de base en tailleur. Et on a terminé cette routine cuisse abdos fessiers. N'hésitez pas à la faire 2 à 3 fois par semaine. Il n'y a aucun problème sur ce genre de session. Si vous souhaitez terminer cette petite séance avec une partie stretching, juste ici, vous avez une vidéo de 15 minutes
pour un stretching full body. C'est super après ce genre de séance. Je vous remercie, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est Coaching by Guillaume tout simplement, sur tous les réseaux sociaux possibles. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.